Depuis 2010, nous avons pile jeunes haïtiens qui vivent au Brésil. Ça a étudié, ça a travaillé, ça a fait business, qui fait gros progrès. Pour ça, tout gagne malheureusement qui quitte le Brésil. Et gagne pile tout cap vini. Mais en vous venez au Brésil, nous avons gardé bien. Vous avez bien Sambral Dina. Bonjour, monsieur Kessler. Bien, ça a fait. Mon cher, vous dérangez là, c'est une vidéo mieux là. Bon, c'est précisément ça. Il y a longtemps que ma vagade au sous. Facebook, ma regarde par YouTube. Okay. Pas jamais une occasion pour que moi-même avec collègues, moi et amis, retrouvons parce que nous gagnons quelques préoccupations, même déjà avec un pilote monde tout. Ok, mais qui préoccupation nous gagne? Première préoccupation que nous gagnons, c'est que ça fait longtemps que jeunes yo a quitté Haïti, y a venu Brésil, mais yo pas connaissent que Brésil offre opportunité pour moun étudier. Exemple, si toutefois que moi quitté Haïti et moi pas de terminer étude, qui opportunité que me carvel? Bon, fini. Et comme dit, Brésil en soi, c'est un pays qui offre un pile d'opportunités malgré toute difficulté immigrants gagnent pour yo intégrer autour. Maintenant, Kounia, en parlant de étudier, Brésil a deux possibilités. Si par exemple vous faites retour ou bien vous faites 9e année, vous pouvez aller à l'école normale ou à l'école garçon. Mais si là, vous dépassez, par exemple, vous avez 25 ans, on va pas finir l'école. Il y a un programme qui est spécial, l'État mette, qui facilite les gens qui ont trop de problèmes, qui ont dépassé 18 ans, mais qui ne pas trop finir l'école. Dans le programme, ça, pendant que vous finissez l'école, vous avez une possibilité pour vous apprendre un métier manuel, et puis que vous ne pouvez pas fonctionner chaque jour. Parce que vous connaissez, si vous avez 25-30 ans, c'est parce que vous avez une responsabilité. Donc, vous permet de étudier en ligne seulement on joue bien deux jours dans la semaine pour passer dans l'école. Et si toutefois que tu as une autre problème encore qui c'est un problème linguistique que tu son barrière liée son barrière mondiale et comment jeune yo a fait adapter aussi rapide surtout c'est langue portugaise c'est pendant que jeune yo entre Brésil yo tendez parler de portugais ou comprendre ça que les portugais. Yo un plus gros problème qui gagne c'est que portugais haïtien pas de conversation. L'école, c'est là nous venons au Brésil, nous tendons à créer les portugais. Du coup, ça devient difficile pour nous adapter nous à l'anglais. Mais nous ne pouvons pas considérer comme une barrière pour ne pas faire quelques efforts. Pour qui ça? Parce que lorsqu'on fait arriver dans un pays, il y a un premier bagage qui a besoin qui est important, c'est intégrer. Et il y a un bagage qui a facilité, c'est là où on parle de la raison. Ou de la rue. Ou essayer malgré tout. Il y a un avantage brésilien. Si vous faites signe avec vous, vous comprenez, il y a des gens qui ont trouvé ça à l'équipe. Ils mais où ils vont côté, ils ont même besoin de comprendre tout. Et vous n'avez pas de important, ou capable de parler l'anglais. Mais, pour exemple, si vous créez un business, le business que vous créez, c'est plus, c'est haïtien ou à recevoir la donne. Ou pas besoin de parler l'anglais. Mais vous avez un fond, un paquet de bagages, créer richesse, et si possible, même by job. Ok, pour finir, parce que les amis, non? T'as aimé poser quelques questions tout. Pas de problème, là bon. Si toutefois que mon a entré dans la faculté, est-ce que les papillons difficulté pour l'intégrer dans act forme activité parce que kagen parti pris ou bien kagen s'acquérir les jugements de race ou de couleur, est-ce que les papillons problème les mon a fin apprendre pour l'intégrer normalement dans la société brésilienne? Mon cher, question ça, c'est une question qui est assez sensible. Sur la question du jugement de couleur ou bien Santa Cati Mouti raciste, faut dire moi-même, je ne peux pas porter un jugement pour me dire que mon yo raciste. Comme ça, je ne peux pas dire que je pas raciste. Parce que personnellement, je suis victime de quelques actes que je ne peux pas juger comme zak raciste. Mais, comme étant donné, ça n'a pas empêché d'évoluer, ça n'a pas empêché de faire tout ça pour me faire. Donc, je pense on monde qui a toujours réfléchi sur ça. Mais premier bagage, vous dites ça, vous voulez réaliser, vous mettez le but, ça, vous voulez atteindre, quel que soit ça qui arrive, vous mettez pour arriver. Que le monde fait, on reste ça. Parce que assez souvent, le monde qui fait raciste, pour moi, c'est le monde qui m'a fait un bagage dans la tête, c'est le monde qui perd son fait, parce que ni moi, ni vous, que noir, que rouge, que l'autre marron, nous sommes le monde, nous avons même 5 à couler dans le vêtement. Et nous tous, bon cerveau qui peut permettre de nous faire. Bon, comme Antenor Fimé te dit, dans l'égalité des races humaines, et je pense que ça n'est pas un tabou pour les gens qui regardent mieux, qui attendent tout. Et Nayo, vous n'avez pas de gagner que vous avez dit? Oui.
Je vais vous poser une question. Vas-y. Je vais vous poser une question. Ok. Après, M. Kesnel, je vais vous poser une question sur le travail. Comment ça y est? Comment faire contre le Brésil? Comment je suis capable de jouer le travail? Et que j'ai des travail qui viennent dans le Brésil tout. Et nous sommes capables de jouer pour nous faire dégager. Nous, combien comme je vais toucher tout? Je vais travailler comme si. Qui sont des pays qui gagnent? Et je vais jouer tout. Combien comme je vais toucher par mois dans notre pays? Ok. Et, excusez-moi. Parce que mes côtés, c'est pas quinzaine, c'est semaine, par on est. Ok. Normalement, travail, c'est une bagaille qui toujours inquiéter n'importe qui qui a quitté le pays pour y aller vivre de l'autre côté. Parce que non seulement il y a une responsabilité de nous quitter en bas, on va la caille nous. Pour ça, tout, l'un vient nous gagner un bill pour nous payer, ça qui peut être le travail. Mais pour me venir direct, Brésil, c'est un pays qui a une pile d'industrie, ça n'a qu'à aller agroalimentaire, ou bien industrie élevage, ou bien tout directement jardin. L'homme dit jardin pour haïtiens, jardin, mais ça, c'est l'autre réalité. Donc, pour travailler ici au Brésil, il dépend de qui ville, de qui état, ou bien de qui région. Parce que le Brésil, c'est un pays qui est assez grand, il y a environ 27 états. Donc, le comme ça, chaque état, il y a une propre culture, il y a une propre production. Donc, si par exemple, vous venez Santa Catalina, Chapeco, ville Chapeco, il est facile pour travailler dans l'industrie, côté tu es cochon, tu es poule, ou bien tu fais lettres, tu fais des bagages, parce que Chapeco champion, dans ça, il y a un pile gros. Industrie qui baille en pile monde travail 5000 monde 10000 monde. Les plus facile pour travailler dans genre de industrie ça. Mais même Santa Catalina, gon l'autre ville qui est les Joinville, si ou là, les plus facile pour travailler dans industrie côté ou fabriquer machine ou bien pour fabriquer dans restaurant. Dans même Santa Catalina encore, il y a une zone comme les arts, bon en mer. Li plus facile pour travailler dans hôtel, ça veut dire li vraiment varié. Kounya, y a une question m'konnen ki y a une réponse qui est important pour vous, c'est combien kob pour ka touche. Malheureusement, salaire de base Brésil, si n'a font comparaison avec US parce que c'est haïtien nous, n'a plus le petit US là que ça nous, li très bas. Nan moment n'a parlé à la li évalué entre 200 à 250 dollars. Ça triste, mais son réalité. Ça va vous dire que le monde a le travail ou obligé de toucher ça exactement, mais le salaire minimum, c'est ça lié pour tout le monde. Ou même si vous entrez dans le travail, il dépend de qui compagnie vous entrez, travail ou affaire, comment ça est, qui quantité de leur travail, c'est ça qui va déterminer qui quantité de corps vous touchez. Ok, moi je vous remercie, mais juste avant que je finisse, moi j'avais dit, est-ce que les corps touchent comme ça, comme si qui est évalué dans 250 dollars US, mais comme si comment bilan yo pas connait, est-ce qu'on pas vraiment connait comment bilan yé, est-ce que ça que me touche à la carrière on a le besoin que me besoin dans terrain et comment ça y est me doit le connait. Bon, normalement avant même moi parler de corps bougain dans monde qui sont ca favelle faut me dire malgré ça Brésil offre un paquet assistance sociale qui très très important. L'hôpital gratis, l'école gratis, ni l'école classique et même l'université. On paquet l'autre bagaille ou gagné qui là et des bagailles de base que moun besoin. Kounya, bill ou gen pour payer, li dépend de qui style de vie ou même ou gal passe. Sou son moun qui décide vivre par exemple pour les gros machines ou bien ou vle vivre dans gros kay, li dépend de qui région, qui style de vie ou gen. Il y a des gens qui ont coûté 300-400 reais. Il y a des gens qui ont coûté 6 000 reais. Donc, ça vraiment relatif. C'est vous-même qui avez pour faire choix, soit manger, mais qui a prêté, qui a qualité rad pour mettre sous. Il y a des rad qui vendent 10 reais, il y a des rad qui vendent 500, il y a des rad qui vendent 3 000. Donc, choix ça, c'est le plus bon pendant que vous vous-même, vous avez fait choix et puis. Bâti yon budget ou dit moi-même décider pour me dépenser 400, décider pour me dépenser 600, etc. Ok, M. Kesnel, merci et pour accueillir vous, merci pour vos gens qui ont pris le temps pour expliquer tout le bagage en global. Mais ça que je voulais demander, qui conseille que vous êtes capable de faire un jeune
en Haïti qui décide de vivre en Haïti pour rentrer au Brésil pour venir mener une autre vie, qui conseille que vous êtes capable de quitter pour vous même qu'à rentrer? Conseil pour un jeune qui a aimé vivre au Brésil, li naturel de ça moi-même penser de question ça parce que conseiller un jeune qui te pays c'est pas un bagage qui facile mais conscience moi tout pas permettre me faire hypocrisie pour me dire en bas la caille bon parce que me connais réalité a, et c'est une raison qui fait moi-même me quitter à Haïti. Brésil pas pays qui offre plus cobla là. Brésil pas pays qui puis bon pour immigrants vivre. Mais ces pays là la donne ou gain sécurité si ou pas monde qui gaspille ou ka fè un paquet de bagay ou joindre l'école ça c'est un bagay qui est important ou joindre santé donc me penser conseil moi pour un jeune qui veut venir c'est connait qui soit venir faire à qui objectif ou venir et là ou préparer ou si ou venir étudier ou font plan dans qui zone ou pour aller qui ça ou venir étudier ou gain tout détail et puis ou venir. L'arrivée ou pas comparer Brésil à États-Unis la Suisse. C'est deux bagages qui différents au niveau que ça moun a touché dans travail. Donc dès pour pas faire genre de comparaison drôle ça yo, monsieur alors ou connait réalité hein. Jeune ça qui a fini mais l'a pas vivre bien, l'a travail, il va à l'école, l'a pas fait tout à fait moi-même n'importe jeune qui veut venir me dit bienvenue et ça fait toujours à bailler toute info qui nécessaire. Pour qu'on fasse le meilleur choix, pour qu'on ne pas tromper, l'heure où on dit, mais il faut reconnaître ça qui est vérité. Déjà, un grand merci. Ça fait un plaisir. Oui, merci à nous. Je suis content de nous. À la prochaine. À la prochaine. D'accord. Bon, malheureusement, monsieur Damien, vous prenez toute l'heure. Vous avez gâté la vidéo. Non, vous n'avez pas gâté le long. Je suis sûr que vous posez assez de questions. Peut-être ou même quand vous avez gardé la vidéo, vous avez gagné pour poser et vous avez habitué à poser déjà. J'espère que la réponse est satisfaite et pour prouver que vous êtes satisfait, c'est partager au maximum que possible pour aider plus de monde qui t'a aimé vivre au Brésil ou bien qui a des gens qui vivent au Brésil. N'a pas quoi dire pour notre vidéo.